Eh bien, bonjour, on est au dépôt de la mairie, c'est le 7 janvier 2023. Mais bonne année à tout le monde déjà, et bonne santé surtout. Et voilà, on est réunis aujourd'hui pour faire les entorches, donc c'est un moment important puisque c'est le premier rendez-vous de la saison. Donc on est une trentaine, là on fait les entorches pour toutes les bandes du comité et les bandes du samedi aussi. Et la semaine prochaine, on attaque avec les meuniers. Donc ce sera le 15 janvier, sans oublier l'arrivée du char le samedi 14 à partir de 19h sur la place, qui sera présenté par la ragout, car c'est la ragout qui brûle cette année. 2023 est une date importante parce que ça fait 2 ans que le carnaval a eu lieu, mais 2021 il n'a pas eu lieu. 2022 il a eu lieu, mais sans les meuniers, sans la semaine folklorique, hein, sans le carnaval du monde, sans le carnaval de toutes les bandes. Donc avec le bureau, on a remis un calendrier normal, dirons-nous, avec semaine folklorique sur 5 jours, les retraités, et on inaugure par semaine toutes les bandes et carnaval du monde. Voilà, c'était important de remettre tous ces événements pour faire un carnaval complet. Aujourd'hui aussi, nous faisons la distribution des confettis. Donc on distribue presque 2 tonnes de confettis, puisqu'il y a 31 bandes. Et c'est un moment aussi important, comme ça on voit tout le monde, on nous contacte avec les gens, et c'est un moment de partage, les entorches. À midi, on fait un repas au commerce, le siège du comité, et on sera une trentaine pour manger, pour se retrouver et finir la journée. Et la semaine prochaine, au meunier, on sera 70 meuniers, avec un repas sous les halles à midi et la traditionnelle pot-au-feu le soir. Voilà, nous espérons que le temps nous accompagnera, s'il fait la même journée qu'aujourd'hui. Je pense que les Limousins attendent ça, parce que bon, je suis de Limoux, je me balade en ville, tout le monde en parle, et ça va relancer un peu l'année, et ils attendent ça avec impatience. Les gens vont se rencontrer, et bien sûr, le carnaval fait un moment important sur Limoux, ça crée un lien social important. Les gens se rencontrent, discutent. Voilà, c'est un moment important, je pense, le carnaval de Limoux. Et j'ai oublié quelque chose. Bonne année, Eliane. Bonne santé surtout. Allez, bisous.